Bonjour à tous, c'est Wrestling et bienvenue sur ma première vidéo. Je vais tâcher de présenter au travers de ces vidéos mes jeux du moment. On va commencer par une petite nouveauté, Magic the Gathering Arena. Je ne vais pas présenter le jeu de cartes en lui-même, ce serait trop long. Je vais juste présenter cette version en ligne. Le jeu est actuellement en bêta fermée. Les clés sont distribuées par Wizards of the Coast au compte-gouttes. Pour avoir une chance d'en avoir une, allez vous inscrire à l'adresse suivante. Je vous conseille aussi de télécharger MTG Duel sur Steam, de vous y inscrire et de suivre la procédure à cette adresse pour lier les deux comptes. Il semblerait que cela influe un peu sur les chances d'avoir une clé bêta, mais je ne garantis rien. Nous voici enfin dans le jeu. L'écran d'accueil est assez simple avec des fonctionnalités standards. Des objectifs quotidiens, un store, l'ouverture des packs et un outil de création de deck. Justement, allons voir cet écran. Voici l'écran qui liste les decks que vous avez créés ou les pré-construits fournis au départ. On a la possibilité d'exporter en texte les decks et de les importer, en plus des fonctions classiques de création, clonage et suppression. Le bouton collection permet d'accéder à la liste de cartes. Là aussi, du classique, on a la liste des cartes possédées. Petite particularité de MTGA, il n'y a pas de système de désenchant, de dés ou de poussière pour fabriquer des cartes. A la place, Wizards of the Coast nous propose un système de wildcards qui peuvent être échangés contre la carte de notre choix dans la rareté correspondante. Commune, unco, rare, mythique. La création de deck est elle aussi classique. La liste des cartes d'un côté, le contenu du deck de l'autre. Et comme d'habitude, un écran avec des statistiques comme la curve, les ratios de créatures, sorts, terrains, etc. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Allons jouer. Début de partie. Tirage des premières cartes, possibilité de mulligan autant de fois que l'on veut, et la partie commence. C'est du Magic. Les mêmes phases, les mêmes sorts, les piles d'exécution, les instants, les contre-sorts, les combos, tout ce qu'on aime dans Magic quoi. Mais aussi les mana full, les mana death, les curves à l'envers, les decks en face plein de mythiques. Bref, Magic quoi. Je vous laisse regarder les deux prochaines parties, elles sont courtes. Après, on verra les quêtes journaux, les golds, l'achat de pack et l'ouverture d'un pack. Bonne partie!
Oui, je sais, c'était facile de montrer des games où je roule sur l'adversaire. Mais bon, ça fait du bien à l'ego, et puis elles vont vite. Donc, passons au modèle économique. Pour le moment, c'est assez simple. Un pack toutes les 5 victoires jusqu'à 3 fois par semaine. Une quête journa qui donne entre 200 et 500 gold, un pack valant 1000 gold. Les 4 premières victoires par jour qui donnent 50 gold chacune. Une carte random par victoire, avec la quatrième victoire par jour qui garantit une rare ou mieux. Enfin, le système de vault qui se remplit à chaque fois que l'on ouvre un pack ou que l'on récupère une carte. Une fois plein, le vault peut être ouvert et donne une variété de wildcards et de cartes aléatoires. On ne va pas refaire les maths, mais ça fait au moins 6 packs par semaine si on prend toutes les gold journalières. Et puis, diverses cartes random avec chaque victoire. Avec ma dernière victoire, j'ai enfin 1000 gold. Allons chercher un pack. Prenons celui-ci. Allons dans l'interface pour l'ouvrir. Attention. Voilà, deux Unco, 5 communes, une rare ou mieux. 4 Unco comme rare, roulement de tambour. Ta-da! Bon, à vue de nez, c'est pas top. Bien, maintenant que les présentations sont faites, voilà ce que je pense du jeu. On va commencer par les points positifs. Alors, le principal, bien sûr, c'est Magic. On retrouve tout ce qui nous plaît dans Magic et aussi ce qui nous plaît pas. Mais bon, globalement, on aime ça. L'interface est pas mal, même si elle peut être améliorable. Par exemple, les terrains qui bougent quand on les tape, ou ce genre de choses, c'est des fois assez perturbant. Mais bon, ouais, on est dans une closette bêta, il y a encore pas mal de chemins qui peuvent être faits. Parlons des points négatifs. Pour moi, le plus gros, c'est le modèle économique. Il est bien trop léger par rapport à la concurrence, et on va mettre beaucoup trop de temps avant d'avoir un deck jouable. Du coup, l'écart entre ceux qui payent et ceux qui payent pas va être gros, trop gros, je pense que beaucoup de gens vont lâcher l'affaire à cause de ça. Mais bon, je n'ai pas encore sorti, tout peut changer. Autre problème, le matchmaking. J'ai particulièrement galéré la première semaine. J'avais effectivement un deck préconstruit agrémenté de quelques cartes, donc un deck globalement faible. Je me suis retrouvé à enchaîner des adversaires avec des decks bien plus construits, sans forcément parler de niveau de jeu ou autre. Hein. C'est juste, voilà. Le mec qui fait son deck avec 4 exemplaires des cartes qu'il a choisies par rapport au mien où j'ai un ou deux exemplaires et je remplis mon deck avec les moins pourris de ma collection, ça peut pas donner la même chose. Bref, peut-être que c'était lié au fait qu'il n'y avait pas assez de gens, que du coup, Wizard of the Coast a fait le choix de faire des matchmaking rapides plutôt que de faire des matchmaking équilibrés. À voir. Peut-être qu'avec une population qui se développe et qui grossit, ces problèmes de matchmaking vont se régler peut-être tout seul. Par rapport à l'avenir, alors, on peut imaginer plein de choses. Certaines ont été annoncées, d'autres pas du tout. On sait par exemple que les extensions vont sortir à peu près au même rythme que la version papier. Les drafts ont été annoncés. Par contre, ce qui n'a pas été annoncé, c'est est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu prévus, comme le brawl, le paquet scellé, etc. Nous n'avons pas non plus de communication sur la portée e-sport du jeu, si celle-ci sera portée par les joueurs, ou si Wizard of the Coast compte mettre en place un circuit comme sur Magic Papier, avec je sais pas pourquoi pas des Qualify Tours, des Pro Tours, des Grands Prix, etc. A voir, aucune info sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker, ou voire même à vous abonner si vous voulez être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout et à bientôt.